l'ami, c'est Touquet, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé, car bienvenue pour cet épisode numéro 4 du mode ma carrière WWE 2K18. Si tu n'as pas vu les autres, une petite fiche s'affiche actuellement à droite de ton écran, tu peux cliquer dessus pour voir les anciens épisodes. Et bien sûr, si ça te plaît comme d'habitude, tu y penses, hein, le petit pouce bleu comme d'habitude. Allez, c'est parti, nous sommes actuellement en novembre 2018, nous sommes à NXT TakeOver. Comme d'habitude et comme à chaque épisode, on va parler au producteur Baron Blade. Bonjour Matt, bonjour Triple H. Bonsoir plutôt, vu que c'est le soir pour eux. Allez, c'est parti. Parlons-lui. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire? On l'a fait jusqu'ici. Prêt à aller plus loin? T'as intérêt. Prêt pour le match pour le titre? Premier match pour le titre. Mets-toi en rogne, ou ce que tu veux. Comment tu te sens? Excité d'être arrivé jusqu'ici. C'est pour de vrai, là. Voilà, c'est ça. Régale-les avec cet état d'esprit. Foire cette occasion, et c'est pas moi qui crierai dessus. Ça serait trop facile. C'est toi qui te crieras dessus, jusqu'à péter un câble. Alors évite de tout foirer. Compris? Ne pas péter un plomb. Voilà, évite. Tu as vu ce que le titre NXT a donné pour Finn, Kevin Owens et Nakamura, hein? Gagne-le et tu pourrais en faire autant. Je suis né pour ça. Ah ouais, carrément. Mais bon, si ça te chante. Bref, te rate pas. Alors objectif, remporter le NXT Championship sans disqualification ni count out et obtenez une note de 3 étoiles, les amis. Nous sommes partis NXT TakeOver, match pour le titre de champion NXT. Nous sommes évidemment face à Bobby Roode, The Glorious One, et la WWE Network et la WWE présente NXT Take Over. Les amis, ça y est, nous y sommes, NXT TakeOver. Ici, les amis, la salle est pleine. C'est plein à craquer. Nous y sommes, les amis. Londres, Angleterre. C'est parti, les amis. Ce prochain match est prévu en une chute. Ça sera Chris Danger contre Bobby Roode pour le match, pour le titre, autant pour moi, de champion NXT. NXT, tout se joue ici pour Chris Danger qui a fait ses débuts il y a. Nous avons fait nos débuts, c'est nos débuts, c'est nous, c'est vous, c'est moi. Nous avons fait nos débuts à NXT il y a de ça quelques semaines. D'une manière fracassante, nous avons attaqué Bobby Roode directement. Nous avons fait une promo hors du commun. Et ce match, c'est maintenant. Le prochain match est prévu en une chute. Vous l'avez compris, c'est pour le NXT Championship. Et les amis, il est prêt. Nous sommes prêts. Nous sommes là. Ici. À NXT TakeOver à Londres. Tandis que Chris Danger attend patiemment son adversaire du soir. On l'appelle le glorieux, the glorious Bobby Roode. Il est là, les amis, il est prêt lui également. Il s'est fait attaquer plusieurs fois ces dernières semaines. Il nous a même attaqué, nous. Durant notre match, il est là. Vous le voyez dans son regard, il est prêt pour ce match. Il donnera tout pour ce match, tout comme nous d'ailleurs. Lui donnera tout pour le garder. Nous donnerons tout pour lui prendre.
C'est parti, je pense que nous allons faire les présentations. Nous allons faire les présentations pour ce match d'anthologie, les amis. Ce match va être fou. Je le sens d'avance. En premier, le challenger. Il vient de France, pesant 102 kilos. The Animal, Chris Danger. Oh, il lui vole. Oh, il l'imite. Glorious. Il l'a imité, il a osé imiter le champion en titre. Le champion de Toronto, pesant environ 30, 100, 120, 130 kilos, le NXT Champion de Glorious, Bobby Roode. Ça aussi, c'est une nouveauté, hein. Pour ce match, pour certains matchs de championnat, ils font ça. Ça marche avec Shinsuke Nakamura, ça marche avec Bobby Roode. Bien évidemment, ils ne le font pas tous, malheureusement. On aimerait. Mais vous le voyez, ça c'est une nouveauté de cette année. 2K ont vraiment fait des efforts incroyables pour ce 2K18, les amis. C'est vraiment énorme. Et le match est parti. Bobby Roode nous projette direct dans le coin d'une force, les amis. Vraiment incroyable. Il ne fait que ça apparemment. Il nous projette dans les cordes, il nous projette dans les coins. Ouh, Chris Danger qui a esquivé, qui s'énerve. Hurricanrana de Chris Danger au champion Glorious. Je vous le dis les amis, ce match va être énorme. Bobby Roode qui esquive, Bobby Roode prend sur ses épaules un Fireman Scary. Ouh, la projection de notre cher et tendre visage dans ce tapis de ring. Ça va être simplement énorme comme match, les amis. Nous espérons vraiment gagner ce championnat sans... Nous devons le gagner. Nous devons gagner ce match, les amis. C'est une obligation. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Je n'aurais pas dû faire ça. DDT, non. Le petit soulèvement. Une petite souplex. Il se prend apparemment pour Brock Lesnar ici à Souplex City. Que Chris Danger l'esquive. Bobby Roode le reprend sur ses épaules et le fait passer en mode John Cena, j'ai envie de dire, en mode double A. Ouh, ce coup de poing vient directement s'acharner sur le visage de Chris Danger. Bobby Roode qui va monter sur la deuxième corde. Ah. Il veut qu'on se lève apparemment. Petite esquive. Allez les gars, c'est parti. Allez, allez, allez. Ouh. Le neckbreaker de la part de Bobby Roode. Ouh, mais c'est Triple H qui faisait ses... Ouh. Et Bobby Roode qui fait passer directement Chris Danger par-dessus la troisième corde, comme diraient nos amis. Christophe Aegis et Philippe Chéreau. Ouh, Lucha Libre Style, les amis. Nous allons faire revenir Bobby sur le ring. Nous allons essayer de tout faire pour le dominer pour ce match. Vous le voyez à notre barre de santé, hein, nous sommes pas très très bien actuellement, hein, contrairement à... Oh, il nous refait passer par-dessus la troisième corde. Vas-y, descends. Ouh, je l'ai loupé. Je l'ai loupé comme un abruti. Ah oui, allez-y dans les commentaires. Vous pouvez le dire. Je suis un... Je ne dirai pas ce mot. Non, non, messieurs, dames, je ne dirai pas ce mot. Parce que l'arbitre est déjà à 3. Bobby Roode vraiment s'acharne. Hein. L'arbitre est à 5 maintenant. Nous devons vite retourner dans ce ring. On va pas avoir le temps. On ne va pas avoir le temps, les amis. Je ne sais pas comment on va faire. Nous sommes déjà à 8. Ça va, nous sommes de retour au compte de 9. On est vraiment très, très... Très mal.
Aïe 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 aïe, c'est bon. Chris Danger qui arrive à se débattre de cette prise. Allez, un petit peu de momentum pour Chris Danger. Allez, le coup spécial, c'est parti. Joli. Oui, c'est passé. Nous allons vite monter sur cette troisième corde. Vous savez ce qui va arriver. C'est le finisher, c'est le 450. Oui. Le tomber peut-être. Allez, c'est parti, c'est parti. 1, 2, et simplement 2. Vous l'entendez, hein, ce public de NXT TakeOver qui est vraiment incroyable. On va y arriver, les amis. Nous allons l'avoir, ce titre. Il est pour nous. Il n'est plus pour Bobby Roode. Oh, Spine Buster! Attention, Bobby Roode peut-être. Oh, ça doit faire terriblement mal au lombaire, ce mouvement, les amis. Nous allons remonter sur la troisième corde. Swanton Bomb. Nous allons retenter le tomber. 1, 2, simplement 2 une fois de plus de la part de Bobby Roode. Bobby Roode esquive. Je crois que nous avons esquivé le Glorious Bomb. Nous l'avons fait, les amis. Peut-être une fois de plus un petit coup spécial histoire de l'achever un peu plus. Oui, les amis, c'est passé. Oh, nous sommes mal, nous sommes fatigués, nous sommes peinés, j'ai envie de dire, les amis. Va-t-on y arriver? Est-ce que ce finisher va passer? Apparemment. Oui. C'est passé. Les amis, c'est passé, nous allons revoir ce replay. Ce waste. C'est Wade Barrett qui faisait ça à l'époque, le Barrett Barrage à l'époque, si je me souviens bien. Nous allons tenter le tomber maintenant. Va-t-on gagner le titre? Allez, c'est parti, c'est gagné là. 1, 2, oui, ça y est les amis, Chris Danger est champion NXT. Nous y sommes arrivés les amis, c'est incroyable. Revoyons ça. Oh, ce finisher, les amis. C'est tout bonnement. Je me répète une fois de plus, mais incroyable. Ici votre gagnant et votre nouveau NXT Champion. L'animal, Chris Danger. Ça y est, les amis, nous y sommes arrivés. Nous sommes arrivés à la WWE et aujourd'hui nous sommes champions NXT. C'est simplement énorme. Alors que Baron Blade nous applaudit. Nous y sommes arrivés, enfin, joli. Sérieux? C'est tout? Super cool. Comme arracher ses dents. Pourquoi tu te plains? Tu as réussi. Monsieur, vous êtes un champion. Et pourtant, malgré tous mes efforts, je n'arrive toujours pas à t'impressionner. Calme ta joie. Celui qui décide du spectacle, c'est moi. T'en es qu'un élément. Le spectacle m'a plu. C'est bon? Satisfait? En partie. T'es drôle. Passe voir Matt avant de partir. Il voulait te parler d'un truc. À bientôt. Et oui, les amis, nous y sommes arrivés. Nous avons réussi tout ce que nous voulions faire. C'est juste génial. Nous sommes enfin champions. Et nous allons parler avec Matt, lui qui nous suit depuis notre arrivée au Performance Center. Qu'a-t-il à nous dire? Hé fiston, t'as mis tout le monde sur le cul. J'ai toujours su que tu en étais capable. Tu vois, c'est ce que je voulais. Je peux t'assurer que là ce soir, les portes du succès te sont grandes ouvertes. Continue d'enchaîner des matchs de qualité, fais les bons choix, mets-les tous KO, le public avec.
Tu pourrais bien être la tête d'affiche de WrestleMania, un jour. Tous en rêve, tu sais. Et tu pourrais bien y arriver. Allez, on va le complimenter. Sans ton soutien, je ne crois pas que j'en serai là. Arrête, arrête ça. Avec ton talent naturel et ta technique, ça va au-delà de mon soutien. Mais merci, ça me touche vraiment. Bon, joyeux, bien joué, fiston. T'as tout pété, je suis fier de toi. Et oui, les amis, on l'a fait. On l'a fait. Oh là là! C'est juste semaine Énorme. 1 décembre 2018. Les quêtes secondaires offrent des objectifs optionnels à réaliser chaque semaine. Si vous souhaitez progresser au sein du jeu sans effectuer les quêtes secondaires, les accepter vous donne l'occasion de gagner des crédits tout simplement et obtenir plus rapidement des récompenses. Pour le moment, parlez avec les superstars NXT dans les coulisses pour lancer une quête secondaire. Parlez avec une superstar à proximité. L'option discussion s'affiche lorsqu'une superstar peut vous proposer une quête secondaire. Ces superstars sont de deux types. L'employé dévoué propose des quêtes d'augmenter votre score d'influence et le favori des fans propose des quêtes permettant d'augmenter votre score de popularité. Lorsqu'une superstar vous propose une quête secondaire, une icône indique de quel type il s'agit. Favori des fans, l'univers WWE a l'air de s'ennuyer sévère. Tu penses pouvoir lui redonner le sourire avec une bonne promo? Et comment? Prends-en de la graine. Et si tu gardais ton blabla pour tout à l'heure? Cool. Marquez 150 points avec cette promo. Et on gagnera 150 crédits et 40 de popularité. Après, très bien. Parler avec Baron Blade à l'espace production. Pardon, monsieur. Baron Blade, une fois de plus. Jamais change de vêtement, sinon? Absolument. Il est temps de faire le point sur le passé avant d'avancer vers le futur. Marquez 150 points avec cette promo. Eh bien, on y va tout de suite, les amis. Faisons une promo du feu de Dieu. Alors que Chris Danger fait son entrée. Mais pourquoi je n'ai pas mon titre NXT autour de la taille? On peut le savoir ça? Bizarre tout ça. Alors. Allez. On va les flatter un petit peu. Je me sens vraiment comme une superstar quand je suis face à vous. L'univers WWE est une de nombreuses choses qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne vous remercierai jamais assez pour ça. Je suis pas un bon parleur. Je suis ni un politicard, ni un orateur. Je préfère laisser le ring parler pour moi. Mais ici, à la WWE, tout ça fait partie du job. Si on veut être entendu, il faut faire un peu de bruit. Laissez-moi gagner une chance de gagner le titre. Mais je l'ai déjà le titre. Oups. Je n'ai rien mis. J'ai pas vu le temps passer, je suis désolé. C'est pas grave. Alors. Hop. J'ai plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'est juste pour faire bien, c'est juste pour bien le faire rentrer dans le crâne des imbéciles qui ont affirmé que je n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir. Vous savez quoi? Je suis arrivé et c'est pas fini. Je continuerai jusqu'à gravir la montagne et atteindre le sommet. Et je n'ai pas eu le temps de lire la suite. Là. Je dois me faire un nom, c'est pas mal, je trouve, pour une petite phrase de fin. Quand je veux quelque chose, je réussis à l'obtenir sans trop de problèmes. Maintenant, je dois me faire un nom à la WWE. Et je suis sûr que je vais réussir. Chaque jour qui passe, je me rapproche un peu plus du statut, du visage de la compagnie. J'ai eu deux combos, total 147, et je n'ai pas eu les 150 demandés. Je ne l'ai pas eu, les amis. À 3 points, vraiment, c'est. J'aurais eu la phrase que j'ai loupée, je pense que je l'aurais eu, mais là. Je pense que c'est.
clair et net. À 3 points près, franchement, c'est vraiment bête. Vraiment. Ah oui, là, Baron Blade, j'imagine qu'il est pas content. On a loupé du texte, on a pas eu les points. Tu t'en es bien sorti. Continue sur ta lancée la semaine prochaine. Oui, je sais, je n'ai pas atteint l'objectif. Je le sais, pas besoin, pas la peine de remuer le couteau dans la plaie, messieurs. S'il vous plaît. Bon, nous allons repartir. Allez, on repart. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, la section commentaire et le bouton s'abonner, ça me ferait super plaisir. Rendez-vous là. Pour le prochain épisode, tout simplement. Je ne trouve même plus mes mots tellement je suis dégoûté d'avoir loupé ça à 3 points. C'est vraiment incroyable. Mais évidemment, comme je vous l'ai rappelé, hein, le pouce bleu, etc. Et merci encore si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça me prouve que vous êtes fidèle. Merci encore. Allez, tchuss. My skin's dying because you're under it.